4 fois moins de nouvelles constructions dans cette nouvelle mouture. À travers Toulouse Campus, il s'agit de se positionner parmi les 10 meilleures universités européennes. Et si le projet n'est pas remis en cause, ses protagonistes espèrent une participation de l'État supérieure à 200 millions d'euros. Louis Castex, élu président de l'Université de Toulouse, prendra ses fonctions le 1er mars prochain. L'incertitude est sur le montant de l'engagement de l'État, pas sur le fait qu'il l'accepte. Je ne peux pas croire qu'il refuserait ce dossier. Sa qualité est bien supérieure à celle du premier dépôt et il n'avait pas été rejeté à l'époque, bien au contraire. Donc simplement, nous avons amené toutes les précisions utiles et tous les compléments d'information qu'il pouvait souhaiter, tout comme les collectivités territoriales d'ailleurs qui se sont fortement engagées à nos côtés. Plus de rénovation donc, notamment rue des 36 Ponts où allait Jules Guesde. C'est là que sera installé le siège de l'Université de Toulouse. Dans ce projet, la prison Saint-Michel doit aussi devenir un centre artistique. Il ne s'agit pas de concentrer en un seul endroit, ce qui serait certainement une erreur en termes d'occupation d'espace, mais de faire en sorte que les étudiants puissent vivre dans Toulouse et dans sa périphérie et rejoindre les lieux de recherche, les lieux d'enseignement de façon rapide et efficace. Rénovation de l'université du Mirail, création de l'Aerospace Campus. Voilà deux autres réalisations de Toulouse Campus financées par les collectivités. C'est dans un mois que l'État donnera sa réponse sur sa participation dans ce dossier.